uniforme de coup, ensuite je me suis étrangé jusqu'à ce que je me suis fait. Avez-vous l'impression d'être grand? Non! Je suis le capitaine Zeur. Je vais mourir pour toute l'histoire. Pour toute l'histoire. Il y a 30 ans de cela, Frédéric avait besoin que je meure. Ce que vous dites n'a aucun sens, Jimmy. Reconcentrez-vous. J'ai trahi tout le monde. Je n'ai pas joué mon rôle. J'ai échappé à mon sort, à mon destin. À nouveau, reconcentrez-vous. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Maintenant, tout va mal. Rien n'est à sa place. Je suis là. Calmez-vous, Monsieur Carnby. Que voulez-vous? Vous étiez pas en train de parler à Jérémy à l'instant? Je n'ai pas vu Jérémy de la journée. Allez-vous bien, détective? Non, à vrai dire, je pense que non, peut-être. Je dois partir chercher Jérémy. Bien. Dites-moi si vous le retrouvez. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure horrifique sur Alone in the Dark, évidemment. PlayStation 5, profitez-en pour mettre en 4K 60fps, installez-vous confortablement un petit truc à boire et à manger. Souvenez-vous, on avait quitté le bayou. Évidemment, on a eu notre petite scène ici même, hein, sur ce magnifique divan. Non, sofa, je sais pas exactement comment ça s'appelle, canapé, bref. D'ailleurs, ça a commencé par une petite cinématique qui était à la fin de l'épisode 11, mais je trouve que ça a monté l'épisode à un peu trop de temps. Je me dis, autant commencer un épisode sur une cinématique, ça fait toujours plaisir, je pense. J'ai en ma possession une clé du hall du premier étage, donc. Et souvenez-vous, en objectif, je dois chercher trésor dans le dessin de Grace. Alors, là où c'est très important, c'est que pour moi, la clé du hall, elle est juste ici, je pense. Il y a l'appartement du Dr. Gray. Et pour moi, il y a la chambre de Mag là-haut qui est très suspicieuse. Allez, on va quand même voir ce qu'il y a dans le hall pour commencer, sait-on jamais, sur un malentendu. En termes de munitions, on est plutôt pas trop mal, mis à part le fusil à pompe, qui est au demeurant totalement vide. Et c'est ici, non? Non, c'est déjà en vrai. D'où il y a une ambiance comme ça, frère? Depuis quand? Non. Mais non. C'était totalement en bas, fallait pas monter, bah oui. Je me dis, mais pourquoi on aurait besoin d'une clé pour un couloir qu'on connaît déjà très bien? Après, je me suis dit peut-être qu'un petit farfelu l'aurait refermé à clé pour y glisser la clé, mais je pense que c'est tout simplement ici, à mon humble avis. Donc nous sommes au premier étage. Pourquoi? Parce que le rez... Quoi? Non! Waouh, je me suis dit, attends, je prévoyais ma cavale. C'est étonnamment bien rangé. Peut-être ai-je sous-estimé ce vieux pilier de comptoir. J'aurais pu lui tirer dessus, hein, mais c'était pas cool, il m'a pas attaqué. Hein. Par contre, il me montre quelque chose. Merde alors. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. Ouais. Une ventilation. Putain, j'ai tout ce qu'il faut pour l'ouvrir, mais il veut pas! Parfois, je me dis que cet endroit ne fait qu'empirer mon état. Que Derceto sera peut-être ma tombe. Un cercueil doté d'une architecture ostentatoire. Un Taj Mahal pour les ivrognes et les dépressifs. Il y a quelque chose de mystérieux autour de Derceto. Et du docteur Gray également. Comme si chacun de nous prétendait être ici pour aller mieux. Alors qu'en réalité, si nous sommes ici, c'est pour être oublié. Oh, moment de lucidité très intéressant, ça. Très bizarre, mais très intéressant. Ok. Belle fenêtre, très bien. Je ne vous cache pas que le doute
Ma bite. Bon, je sais qu'il m'a montré la dernière chambre, mais enfin. Que dalle. Putain, les rats. Ils auraient pu donner au moins des balles de fusil à pompe. Un appareil photo. Ok, une chambre en bordel. Très bien. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Une balle de pistolet. Pas deux. Une balle. Bon. C'est pas notre moment. Apparemment. C'est qu'on s'en sort même peut-être plutôt bien. Bougez pas. Ok, je voulais voir combien de fioles il me restait de soins. Waouh. C'est ma chambre. Les écritures sur le mur. Okay. Place est ici. Je reconnais cette vue. Quoi ? Bizarre. Ok. Je suis comme, ok. Vous devriez venir, je n'arrive pas à c'est croire moi que qui ai fait ça. Connu. Est-ce c'est que moi qui ai écrit ça. Je connais la combinaison. Je l'ai sur moi. Ah, c'est pas un 9-6, très bien. Et je pense pas que dans l'autre sens ça fonctionne. 1. 9. Non. Il a dit je connais la combinaison, je l'ai sur moi. Je connais la combinaison, je l'ai sur moi. Non, j'ai été lobotomisé. Et si moi j'étais fou? Au détective Carnby. Je l'ai sur moi. Ok, 6-9-2. C'est la suite, les gars. 6-9-2. 6-9-2. 6-9. Oh merde. 2. Ok. 6 9 C'est pas ça. Merde alors. Je la refais une dernière fois. 6 9 2 Je connais la combinaison, je l'ai sur moi. 1 9 6 6 9 2 Je la réessaye. 1, 9, 6, 1, 9, 6, 6, 9, vous devriez venir. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. Est-ce que tout ça est vrai? Elle est 196692. Là, je... Jérémy appelait à l'aide, mais Carnby n'arrivait pas à savoir d'où venait sa voix. L'espace d'un instant... Carnby se demanda si le bateau lui-même était Jérémy ou si celui-ci se trouvait plus bas. Cela n'avait pas d'importance pour l'instant. Jérémy était sûr d'une chose. Il voulait que Carnby remette le bateau à vapeur en marche et le fasse sortir de la boue. Bon, alors ce qui est écrit sur le mur, c'est moi qui l'ai écrit.
1, 9, 6, 6, 9, 2. C'est la continuité à l'envers, c'est une symétrie, sauf le 1 qui est passé à 2. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça a peut-être rien à voir. J'en ai aucune putain d'idée, les gars. l'homme ténébreux préparatif. Page de Cassandra. Traitement de Jérémy, peut-être. McCarthy Pirates. Trésor. Pour moi, les gars, je le porte sur moi. C'est exactement ce qu'il a dit. Lisez l'écriture, les écritures sur le mur. Je ne fais que ça. Mais je ne peux rien faire d'autre, on est bien d'accord. Je suis pas fou. 1, 9, 6. Alors, là, 1, 9, 6, 6, 9, 2. C'est mon numéro d'immatriculation. Pourquoi ça y serait mon mot de passe? Ça serait débile de mettre en fait le mot de passe d'un coffre sur un mur, on est d'accord? 692. Je vais le retenter. Mais à l'envers. 6. 9. Oh. Super. Ok. Un sou. Une pièce de monnaie ancienne datant de l'époque. Ouais. Détective, j'ai fait de nombreuses découvertes dans le cadre de mon enquête. L'enfant que nous cherchions est en sécurité, grâce à des personnes comme vous et moi. Nous sommes très semblables, mais vous ne voyez pas tout ce que je vois. Pour retrouver votre homme, Jérémy, vous allez également devoir rechercher la jeune fille. Il en a toujours été ainsi. Les chevreaux nous délivrent tous. Vous devriez jeter un coup d'œil dans ma chambre. Il y a une pièce de l'énigme dont vous aurez besoin. Prenez soin de vous. McCarthy. Mais oui, oui, mais je sais en plus, les gars. Je connais. Depuis la pièce. Combien de temps je suis ici? En fait, j'étais impatient. Mais non, mais les gars, c'est Shutter Island. C'est putain de Shutter Island. Je suis choc-barre de bzzz. Oh, l'ambiance dans cette maison, par contre, est fantastiquement angoissante, hein, réelle. Hein, ils ont fait un très bon boulot là-dessus. On dirait que McCarthy dissimule quelque chose là-dedans. Bah oui, ça sert de tournevis. Oh, waouh! Image manquante. Ah, t'as pas envie, Ouais. Pourquoi McCarthy enfermerait-il ça à clé? Est-ce qu'il essaie d'empêcher Grace de compléter la forme? Et si c'est le cas, elle aurait pas simplement pu faire un autre dessin? Merde alors. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang? Changement de hache. Oh waouh, ok, on est dans la maison, je reconnais. C'est quoi? Oh. Ok. Ah non, mais il y en a à l'infini.
l'infini. Ok, je me barre. Bizarre l'ambiance. Eh ben... Il y a du plaisir dans ces petites boîtes surprises. Ok. Oh waouh. Et je suppose que, évidemment, hein, le dessin, on peut le faire tourner. Ok. Très bien. J'apprécie pas qu'à moitié. Bien, c'est que dans tous mes choix, on est totalement à la ramasse et ça, ça fait plaisir. Waouh. Très bien. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah. Merde alors. Il y a un problème là, non? Non? Attends, mais je suis pas fou. C'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est fou? D'accord, hein? Oh là. Quoi? Bon, c'est ce qui va nous attendre encore, again and again. J'ai l'impression qu'on en visite des problèmes. J'espère que ça va pas être aussi chiant que le Bayou. Ok. Ok, changement d'ambiance très soudain dans ce jeu, hein, bordel de merde. Mais d'où j'ai autant de balles de fusil à pompe que ça, là? Oh, waouh. Oh, waouh. Ok. Cet endroit me semble... Ouais. Pourquoi je suis de retour au bureau? Jérémy n'est jamais venu ici. Ok, clé du bureau de travail. Ceci est très intéressant. C'est moi? On dirait. Quoi? Depuis combien de temps j'avais pas sombré dans la boisson et la dépression? Tout m'avait soudain semblé terriblement paisible. Comme si je m'enfonçais doucement dans le néant. Une voix sombre et accueillante entourait mon esprit, comme une lourde couverture. Mais elle se dissipa soudainement. Lorsque je me suis réveillé en entendant la porte de mon bureau se refermer, quelqu'un avait déposé un télégramme de Madame Sanders. Elle avait des informations sur l'endroit où je pourrais retrouver son mari et sa fille, qui l'avaient relevé. Ok, donc j'étais dans la dépression, l'alcool et tutti quanti.
Comme tout bon inspecteur américain. Télégramme de Gabriella. Envoyé le 25 décembre. Ok. Mon Dieu, je buvais tellement à l'époque. Une coupure de journal froissée, 23 décembre. Ok, qui quand est-ce que c'était exactement? Et sur quelle affaire est-ce que je travaille? Une photographie d'un homme. Identifier l'affaire sur laquelle travaillait Cornby. On va en découvrir des choses, mon Cornby. Merde alors! Je dois d'abord comprendre où je vais. C'est vrai, ça. Eh ben, allons identifier toute cette affaire. Ah! Y'a plus rien à faire ici, on est d'accord. Attends, je suis pas fou. Là, on est dans la chambre de Grace. Et là, ils disent on a plus de carte. C'est trop bien fait. Ah non, on a totalement une carte. Attends, c'est un bug? Non, on n'a plus de carte, c'est bien ce que je pensais. Ok. Waouh. On va tout relier? Je me souviens de cette affaire. Une gamine avait été enlevée par son père, et il avait quitté l'État avec elle. Mais il avait commis une erreur, en vendant à un collectionneur nommé Thornhill un tableau auquel sa femme tenait, afin de financer sa petite escapade. C'est comme ça que je l'avais retrouvée. Enfin, je crois. Ok, je me pose 1 milliard de questions à peu près. Waouh! Ok, de retour dans les rues. Attends, mais il s'est passé quoi là, les gars? Il y a eu une émeute, quoi? Je peux pas aller par là. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi on peut activer toutes les sonnettes du monde. Voilà. C'est peut-être un easter egg. Un petit delirs. Ok, là il y a de l'eau. Très bien. Thornhill n'était pas un mauvais bougre. Mais il avait des principes qui lui interdisaient de me donner des informations sur ses affaires. Alors il a fallu que je me montre persuadé. Après tout, toutes les affaires ne sont pas irréprochables. Ok. Ah, mais le fil rouge est physique là, hein? Non? Plein. Ah merde alors. Sortir hein, si c'est plein. Je m'en occupe. Hein. Monsieur Saunders avait vendu un tableau de grande valeur à Thornhill, en espérant que l'argent suffirait à le mener jusqu'à sa destination. Le tableau, qui était désormais posé sur un chevalet dans la chambre de Thornhill, était d'une noirceur hypnotique. Il semblait m'appeler. Il me disait qu'on avait besoin de moi pour quelque chose d'important. Je me suis senti tomber dans le tableau. Avant d'être ramené à la réalité par Thornhill, qui me glissait dans la main l'adresse d'un établissement, l'hôtel St. George, et me sommait de disparaître. Ok. Je m'en souviens pas du tout. On dévoile l'hôtel St. George près du parc. Ça m'est pas arrivé. Je sais même.
Allez hop, c'est récupéré, hein. Je me suis chié dessus. Il faut prévenir. Ok. Des balles de pistolet-ish. Ah, je me suis kéblo. Ah, c'est chapitre 4 qui nous font des petits tutos. Oh waouh. Waouh. C'est rien les gars, ça fait mal mais je reste debout. Désolé. Ah, je travaille l'esquive en ce moment. Ça va bien, tout va bien. Plus de peur que de mal. Bon. Eh ben, ils sont mieux sortis que ce que je pensais. Non, mais eux qui viennent comme par hasard, je faisais ma petite vie en mode Solid Snake, frérot. Ils sortent de nulle part, les mecs. Pas aller par là. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. Tout ça pour cette balle, les gars, je prends. Allez, allez. Ok, ça me plaît aussi. Je pense, non? En vrai. Ok. Je suis le fil rouge. Fil rouge se fout de ma gueule. Le fil rouge va dans le parc. Un chandelier. Quoi? Oh, l'arme, le chandelier. Je vais pouvoir mettre des coups de chandelier. Je crois que c'est l'arme la plus claquée du monde en vrai, je pense, non? Il y a vraiment que dans Cluedo que tu peux tuer avec le chandelier. En pensez-vous? Bon, ok. Les amis, nous voici à l'entrée du parc. On va s'arrêter là.
N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour l'épisode 13 de notre incroyable aventure. A plus tout le monde! Bye bye!